Un calimage au premier plan avec Tim Wilson. On se départ de Marvin Musquin, incroyable. Ah oui, le shot de dingue. Il a été vraiment au-dessus de ce timing incroyable. Il est en tête, le français. Marvin Musquin, ouais, qui va vraiment marquer le coup ce soir, surtout sur une des pistes les plus difficiles de la saison. Il a écrasé la concurrence. Il a 13 secondes d'avance sur Willan. Donc même Anne à la régulière n'a pas pu suivre le rythme. Oui, en même temps. Et il va aller au bout. Marvin Musquin qui continue à passer cet enchaînement. Ah oui, ça m'impressionne, ça tout. Marvin Musquin qui salue la foule. En tout cas, c'est un bon plaisir. Et l'arrivée, première victoire. Oh, super. Super Marvin Musquin, félicitations. Le français qui gagne aux US, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, ça fait du bien. Ça devrait faire la une du JT de TF1. Passé pour Marvin et Will Hahn, qu'on a à l'image avec Jeremy Martin sur la ligne également. Marvin tout à l'intérieur. Je crois qu'il s'est légèrement trop à l'intérieur. Ouais, le ballot de paille qui bloque complètement la piste. Jusqu'à 6ème. Le retour fracassant du français qui vient de doubler face. Alors que l'on a déjà fait pratiquement la moitié de la course. Attention le contact avec Freeze. Il n'hésite pas, il passe, se saute. Catanzaro, un pilote qui est justement à l'image avec Marvin Musquin qui vient de doubler pour la troisième place. Incroyable de Marvin le français. Regardez l'aisance. Oh ce passage. Superbe coup là. Magnifique. Tout l'enchaînement vraiment beau. De sa victoire sur moi. C'est même possible, a vu l'au-dessus de bord. Et c'est la victoire de Marvin. Exceptionnel. Avec un super départ d'un pilote KTM à l'intérieur, Marvin Musquin qui va signer le shot sur la KTM officielle. Qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ce passage extrêmement technique de Musquin, grosse impulsion, triple, il atterrit sur le plat. Il est content Marvin, il n'y croyait pas ce soir, il était tombé tout à l'heure, et il va gagner ce soir. Superbe victoire de Marvin Musquin, troisième victoire cette année. Et devant, c'est parti avec Musquin, j'ai l'impression second. C'est la position idéale. Et peut-être à l'intérieur, Marvin Musquin qui va tenter, il passe en première position. C'est un côte à côte sur le triple. Marvin Musquin, Blake Wharton qui vient. Imprimé Marvin. La chute, les deux avant de Marvin Musquin au sol. Voilà, c'est Marvin Musquin, troisième, qui l'a félicité, son concurrent en direct. Avant départ de Marvin Musquin, le pilote KTM numéro 25 devant qui fait le shot, le français aux avant-postes. Et cette victoire sûrement de Marvin Musquin ici à Minneapolis devant 50 000 personnes. Le kicker. Il est revenu au contact. Attention Marvin, il amortit sur le quadruple, sur le triple. Maintenant à l'intérieur peut-être sur le pilote Nico. Il est au contact. Il passe second. Ce n'est pas fini. Deux tours de l'arrivée. 4 secondes de retard. Marvin Musquin dans les roues, peut-être encore jusqu'au bout. Ça ne passera pas. Marvin Musquin qui échoue à la deuxième place du podium final. Quel dommage. Et la victoire, champion US 250 Cotest, Will Hahn.